6h-9h. Good morning, Safran. Bon, Sniper, hein, vous connaissez depuis ouh, loulou. Vous êtes comme un petit couple, on peut le dire. Bon, un couple à trois. Mais vous êtes ensemble, vous avez fait les 400 coups, hein, comme on dit quand on est ringard. Et justement, on voulait savoir si vous vous connaissez vraiment très, très bien. Alors, on va jouer aux amours. Vous connaissez hein, les amours, ce jeu sur France 2 où des couples doivent prouver qu'ils se connaissent bien. Grave, et tout présenté par le roi de la calembour. Tex. Tex, eh bien nous on n'a pas Tex, hein, mais on a sa version mexicaine. Je vous présente Tex-Mex. Bienvenue dans Los Amores. Bonjour à tous. Bienvenue dans Los Amores. Yes, oui, Tex-Mex, et nous sommes aujourd'hui avec Sniper, Los Pam Papa. Bon, a priori, il y en a un qui a disparu. Hein. Je ne sais pas où il est, Blanco, promis, c'est pas moi. Il est dans une farc. C'est parti, c'est le moment de balancer les copains. Dites-moi, on commence tranquillement. Lequel d'entre vous fait un truc un peu bizarre avant de monter sur scène? On fait tous un truc bizarre, on se rentre dedans, on se bouscule un peu. C'est très bizarre. Moi, avant de monter sur scène, j'ai fait... C'est très bizarre aussi. Lequel d'entre vous est le plus radin? Bonne question. Qui c'est qui lâche pas la coupe? Ouais, je sais pas. Non, non, franchement, on est pas radin dans ce jeu. Nous, ici, c'est DJ Fast Mike. C'est gros radin. Lequel d'entre vous a le plus de succès avec las chicas? Blaco. Blaco. Blaco, il chope? Ouais, il chope. Mais faut pas le dire, a priori. Lequel d'entre vous fait les meilleures imitations? Blaco. Ah, Blaco, sûr. Il imite qui? Ah, il imite ce que tu veux, je crois. Il imite plein de rappeurs en plus, c'est de la bombe. Si, beaucoup, il imite très drôle. Moi, il fait les Mexicains qui fait François Hollande. Ah, on a entendu Willax, il disait il imitait Caris. Très bien, ouais, apparemment. Il m'a déjà fait Caris. Merci pour ce moment des radios qui restera clavé dans l'histoire. Bon, là, c'était mignon, ça va devenir plus compliqué. Lesquels d'entre vous n'a pas tout déclaré aux impôts? Moi, ça, en règle. Ouais, non, je suis en règle, je suis sûr. Au pire, tout dit, hein, s'il y a le nom de l'huissier, tu me le donnes. Moi, avec des copains, on en fait du guacamole. Lesquels d'entre vous a déjà pleuré devant un film? Moi, j'ai déjà chialé. Ouais, les yeux rouges, j'ai déjà chialé. Les yeux qui picotent un peu, ça. C'était quoi, les films? Bridget Jones? Non, je crois que c'était Légende d'automne. La ligne verte? Ouais, la ligne verte, pardon, la ligne verte. Ah, la ligne verte, ouais. Moi, c'était le royaume. Scar, héros des potes. Lesquels d'entre vous, allez, dis-le, a les plus petits burritos? C'est lequel? Les petits burritos. Lesquels d'entre vous? Je sais pas. Vous prenez jamais des douches? Si, oui, si. Si, c'est ce frère. Si. Lesquels? Et en fait, lesquels d'entre vous s'est dit que finalement, Marine Le Pen, elle dit pas que des conneries? Ben ça dépend sur quel sujet, quoi. Le plus français qu'il a déclaré tout à l'heure, Tony Zerno, sûrement. Non, mais ça dépend sur quel sujet, surtout. Après, si tu prends le frère, déjà, quand tu te poses la question, ça dépend sur quel sujet. Ça veut dire que tu l'as pas aimé. Non, mais par exemple, quand la meuf a dit qu'elle veut enlever le permis à point ou que tu vois, elle veut légaliser certaines choses, bah, j'avoue bien sûr que tu le permis à point, on est contre. On est tous contre. J'écoute quand même. Non, mais après, de n'importe qui, tu prends une phrase à part, tu peux toujours trouver ton compte. Au pire, bienvenue au Mexique. 100% bonne vibe. Good morning, Safran. Tout le matin sur Move. Vous écoutez Move. 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 Move.